Bonjour et bienvenue pour cette vidéo unboxing du site dvdfr.com consacrée aux éditions collector 4 disques 4K Ultra HD et Blu-ray des films Avatar et Avatar la voie de l'eau de James Cameron. Après de multiples éditions des deux films, surtout pour le premier, voici venir pour le 13 mars 2024 ces versions collector qui, à une exception près, s'annoncent comme les éditions les plus complètes et techniquement abouties de ces deux œuvres, vous permettant sans regret de donner ou revendre les anciennes éditions. J'évacue tout de suite la fameuse exception, qui concerne dorénavant un cercle assez réduit d'amateurs, la 3D. Si vous êtes équipé et que vous possédez déjà ces deux éditions 3D actives pour les deux films, ne les lâchez surtout pas, car il semble bien qu'elles ne soient plus au programme des rééditions et que leur intérêt ne soit pas assez important pour les inclure à ces éditions collector, ce qui ferait d'ailleurs augmenter leur prix inutilement pour une majorité de personnes. Commençons donc le tour du propriétaire en abordant les packaging. Ils sont tous les deux conçus sur une base de DigiSleeve 4 volets, accueillant les 4 disques, un 4K Ultra HD et un Blu-ray pour les films, ainsi que deux Blu-ray de bonus avec des images des films qui les habillent recto-verso. Ce type de packaging soulève souvent des craintes quant aux rayures possibles sur les disques, mais je rappelle ici que les Blu-ray et donc les UHD sont recouverts d'un vernis protecteur qui les rend bien plus robustes que les DVD, et l'intérieur des DigiSleeve étant verni, il n'y a quasiment aucun risque d'abîmer les 4 disques. Les DigiSleeve sont abrités dans un étui rigide bien épais, recouvert d'un papier métallisé qui, une fois la cartonnette délicatement décollée, présente un panorama qui couvre le recto, la tranche et le verso, ainsi que les titres en relief. Concernant le premier film Avatar, une première réédition a vu le jour en France le 12 juillet 2023, avec la version cinéma remasterisée en 2022, avec VOST Dolby Atmos, image 4K HDR10, et un Blu-ray de bonus qui ne reprenait qu'une fraction de ceux existants, en y ajoutant deux bonus inédits, Souvenirs d'Avatar, avec John Lando, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang, ainsi que Avatar, un regard vers le passé, documentaire rétrospectif avec l'équipe du film. Puis, le 21 février 2024, une édition Steelbook est venue ajouter le Dolby Vision sur le disque 4K Ultra HD, permettant aux personnes équipées de profiter d'une palette de couleurs encore plus aboutie. Cette édition collector ajoute plusieurs nouveautés à ses précédentes éditions. La première est de pouvoir profiter enfin, en plus de la version cinéma, de la Special Edition qui ajoute 9 minutes et du Collector's Extended Cut qui ajoute 16 minutes par rapport à la version cinéma. Le tout a été upscalé en 4K grâce à des outils d'intelligence artificielle et ce sont ces nouveaux masters qui sont proposés sur le 4K Ultra HD, en Dolby Vision et HDR10, et sur le Blu-ray. Le résultat est tout bonnement bluffant, avec une définition incroyable et un gain évident côté colorimétrie et contraste pour le 4K Ultra HD. Le Blu-ray sera sans doute un peu moins spectaculaire, mais sa comparaison avec le premier master laisse déjà voir que le spectacle a fait un bon qualitatif certain. Côté son, c'est Dolby Atmos pour les trois versions sur le 4K Ultra HD, mais sur le Blu-ray, on retombe en Dolby Digital pour la VF et en DTS HD Master Audio pour la VOST. Le 4K Ultra HD et le Blu-ray du film proposent tous les deux un accès direct aux nouvelles scènes des versions Special Edition et Collector's Extended Cut. Tout le reste des bonus est réparti sur les deux Blu-ray dédiés, qui ont le bon goût non seulement de reprendre l'intégralité des bonus de l'édition collector version longue 3 Blu-ray de 2010, mais d'y ajouter 3 nouveaux suppléments inédits sur le premier des deux disques. Une présentation en coulisses avec John Lando pour 18 minutes d'une sorte de making-of très concentré, 7 minutes de vidéo promotionnelle inédite de la RDA avec le colonel Miles Quaritch qui présente son arsenal, et une galerie photo d'une séance promo avec Sam Worthington et Zoe Saldana. Concernant Avatar la voie de l'eau, par rapport aux éditions déjà sorties en juin 2023, on trouve deux nouveautés. La première étant l'ajout du Dolby Vision pour le disque 4K Ultra HD et d'un second Blu-ray de bonus totalement inédit, l'autre Blu-ray de bonus étant en tout point identique à celui des éditions précédentes. Sur ce nouveau Blu-ray bonus, on trouve une nouvelle présentation en coulisses avec John Lando pour 37 minutes d'un nouveau making-of concentré, Souvenir de Avatar la voie de l'eau, qui est la suite de la rencontre entre John Lando, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang. Une table ronde sur la direction artistique avec John Lando, Ashrita Kamath, Ben Proctor et Dylan Cole pour 32 minutes. 12 scènes coupées pour un total de 30 minutes avec un guide de visionnage. 11 déconstructions de scènes à découvrir au travers de 3 stades de production qui se sélectionnent à la télécommande. 70 minutes de matériaux de la production avec divers modules sur les coulisses du film, une rubrique intitulée « Derrière le grand écran »
qui propose quatre événements autour du film, dont la cérémonie d'empreinte de main et de pied de James Cameron et John Lando, au Chinese Theatre le 12 janvier 2023, le tout pour un total de 53 minutes. Et enfin des archives du film avec une publicité, le script original et 5 galeries d'illustrations, d'images du plateau, de photos en coulisses, de publicités et de fan art. Ce qui ajoute donc plus de 4 heures de bonus grâce à ce nouveau Blu-ray dédié. Vous pouvez retrouver l'intégralité des détails techniques et des bonus sur les fiches DVD-FR de ces deux éditions, dont les liens sont en commentaire de cette vidéo. Ces deux collecteurs sont attendus pour le 13 mars 2024 au prix unitaire de 39,99€. Ils sont édités par 20th Century Studio et distribués en France par ESCD. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à explorer notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos et rendez-vous sur le site dvdfr.com pour consulter le catalogue DVD Blu-ray UHD français ainsi que nos articles, chroniques et l'agenda permanent des sorties.